Bon, les gars, c'est parti. Bienvenue sur le jeu Last Day on Earth. Allez, c'est le retour de la foire. Bon, c'est une dinguerie en ce moment. Il y a plein de choses qui pop. Alors, on va aller faire un petit point déjà sur la saison 40 et les événements. Puisqu'on a des bonus anniversaires. Alors, c'est parti. Je suis un chouïa à la bourre. Alors, moi, mon premier jour, j'ai un chiot berger allemand. C'est ok, bah, je vais prendre, hein, tout prendre. Donc chaque jour, n'oubliez pas de prendre vos items, c'est gratuit. Et donc à la fin, vous pourrez obtenir le conquérant des terres désolées, ce qui est plutôt pas mal. Allez, ensuite, on a la foire du désespoir qui est de retour. Donc ça, c'est cool. Rendez la foire sa gloire d'antan avec William. Gagnez des récompenses et... vous fendre la poire avec Georges le Fou. Bon, donc il y a pas mal de trucs intéressants. Donc il y a un disque vinyle, il y a surtout le dépôt de déchets, la caisse d'électronique. Bref, caisse d'électronique. Ah oui, pas mal de choses. Ensuite, ben on a bien entendu tous les autres trucs en spawn, le bateau échoué, la communauté. Bon, autant vous dire que là, celui qui me dit qu'il s'ennuie sur l'ASD, c'est pas possible. Bon, nous on va aller faire un petit tour à la foire. On va aller faire la foire du désespoir. Avant ça, je vais quand même vous... On va quand même, puisque c'est l'anniversaire de l'ASD, on va ouvrir le cadeau du 6e anniversaire. Allez, c'est parti. Et on va obtenir, bah écoutez, un skin de moto complet, un petit flingue, un petit Glock sympa, et bon, le sac à dos du randonneur. Pas foufou, mais écoutez, c'est toujours un skin, ça fait toujours plaisir. Merci l'ASD pour ce 6e anniversaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on va fermer et on va se rendre maintenant dans cette foire du désespoir, voir si ça a changé. Alors bah écoutez, on va voir ce qui s'y passe. On va voir ce qui s'y passe. Alors moi, je sais que j'avais pris la majorité des tickets. J'avais déjà tout cramé sur la première saison. Bon, ben, on se retrouve là, comme d'hab. Alors ici, on a nos petits cadeaux. Je ne sais plus du tout où j'en étais. J'en étais au niveau 17. Donc, il me reste encore un bon bout de chemin, puisque au niveau 30, on a ça. La préparation, alors l'inauguration, on n'a rien. Par contre, la préparation, ben, on a des tickets, des coupons, on a 1000 corps, on a des chiots d'élite, corgi en plus, plan de module de drone, bref, la transmission d'AT pour ceux qui la cherchent, et la caisse d'électronique qui peut être très intéressante. C'est surtout ça que je vais viser, mais on va déjà apparemment continuer la première partie. Ah, c'est exactement la même chose. Le même loot, la même chose. Donc, il faut que j'atteigne le niveau 30 pour démarrer cette deuxième édition. Alors, ici, bah, je pense que... Voilà, amener le coupon à Miguel. Bon, j'en ai pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé? Oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Alors, on a tous les items qu'on n'a pas réussi à obtenir. Depuis le début du jeu. Donc moi, par exemple, j'ai ceci, un chandelier. J'ai ceci, écho. Ouais, bon, écho, ok. Mais pourquoi pas, hein, faudrait les avoir. Mais tout ça, ça va permettre de faire des petits trucs. Ah, ben, à la place de mon ATV, peut-être me faire une petite salle de muscu. Ça pourrait être sympa. Dernier arrêt, qu'est-ce que c'est? Une enclume. Ok, d'accord, je pense que je vais la mettre si je la gagne. Une planche de surf, elle est stylée, et enfin, qu'est-ce que je peux gagner? Alors vous, forcément, vous aurez des choses différentes, je pense que vous aurez des choses différentes, le confort. Alors après, à vous, à voir ce que vous voulez. Alors attendez, parce que là, réanimation, donc ça c'est cool, je pense que c'est à chaque coup, plan de mode d'armes extrêmement rare, et un VSS. Bon, ça c'est pas mal, sachant que il va falloir faire des choix. Parce qu'à mon avis, les coupons, on va soit pouvoir les donner ici, soit pouvoir les donner là. Et là, eh ben, il y a des super prix aussi. Il y a quand même plein de super prix. Donc, à voir. Est-ce que vous voulez des meubles? Est-ce que vous voulez améliorer les skins de votre base? Avoir des petits items sympas? Ou est-ce que vous préférez avoir des armes et des items un peu plus rares
pour progresser dans le jeu. À vous de voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, attendez, on va voir. Madame Irma, bon, ben, elle, je pense qu'elle va arriver. Bah, attendez, je vais pas y aller au flingue direct. Hein, on va, j'ai quand même des petites. Voilà, on va finir le flingue. On va finir le flingue. Alors, là, je peux pas passer, bien sûr. Bon, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que la dernière fois. Allez, bon, on va se les faire. Hein. Ouais, il y a des loots. Ouais, voilà. Il y a des loots, on va tout prendre, on va pas se prendre la tête. Ok, on a ça. Alors, j'en ai oublié un. Là, on va faire le tour. Sachant qu'il y a un coffre et qu'il y a un gros lard. Bon, j'ai pris quand même aussi une masse assise. J'aurais peut-être pu penser à la prendre. Alors, attendez, parce que là, je me suis fait un peu avoir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, à mon avis, il y a avoir des petits items. Ouais, voilà, il y a plein de petites choses. Bon, ben, ça vaut grave le coup. Hop, on va prendre ça. Je vais vous le refaire une dernière fois. Et après, je pense que je vais faire le loot, moi, de mon côté. Et puis, je vous présenterai, à mon avis, la deuxième partie. Dès que j'aurai pu la faire. Bon, là, ça mordeur. Hein. Bon, là, je me suis fait aggro. Non, enfin, si. Allez, hop, on va prendre tout ce qu'on peut. Et toi, tu fais quoi, toi? Bon, lui bouffe. Voilà, bah, tu ne boufferas plus. Là, qu'est-ce qu'on a? Allez, encore du loot. Bon, ça se prend. Moi, bon, je prends tout pour l'instant, hein, je me prends pas la tête. On va voir ce que ça donne à la fin. Bon, alors là, c'est toujours pas bien construit. Donc là, c'est là où il va y avoir la fête finale, à mon avis. Bon, enfin, en tout cas, c'est bien cool que ça soit... Oh. Aller comme un bourrin, mais c'est pas grave. Ok, il y a le loot là-bas, donc j'imagine qu'il va y avoir le taureau. Attendez, on va courir, on va aller, hop, on va essayer de faire le tour. Ah là là, c'est pas lui que je voulais taper. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, c'est pas bien dur, hein. Vous voyez, j'ai quand même juste une machette, tranquillement. Après, il y a deux petits boss qui sont un petit peu plus compliqués. Il m'a looté ça, lui. Il est sérieux. Bon, lui, il va... Allez. Bon, c'est bon. Pas mal de trucs quand même, hein. Donc pas oublier les petits coffres. Bah là on en prend, hein. Je peux vous dire qu'on prend, on prend ce qu'il faut, quoi. Ici on va aller faire le tour, on sait jamais, mais je pense pas, je pense qu'il y a rien, je m'en souviens plus. Non, il y a rien. On va donc après aller dans l'enclos. Alors par contre là je suis en arme, je suis un petit peu light, mais pas grave. Non, non. Alors, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire? Voilà. Je pue, mais je m'en fous. Donc, logiquement, voilà. Voilà, ça c'est pas mal. En loot, c'est pas mal. Il y en a un petit dernier. Et voilà, petit feu d'artifice de qualité. Allez, on avance. Là, je vais reprendre quand même une arme. Petite machette. Allez, je me reprends une petite machette. Là, je sais qu'il va y avoir le gros qui va nous embêter. Voilà. Ah non, on mord de rapide. Voilà, attendez. On va d'abord se taper les deux zombax qui sont sur les côtés. Et on va aller se faire le mini-boss. Georges le fou. Bon, ouais, Georges le fou. Allez, fini. Allez, t'es mort. Allez, vous êtes tous morts. Non, non, c'est pas la peine. Un carnage. Vous savez ce que c'est, un carnage? Eh ben, c'est ce que vous venez de voir. Un carnage, un véritable carnage. Allez, on prend tout ce qu'on peut. On loue tout ce qu'on peut. Bon, un bon gun, Georges le fou, ça passe crème, quoi.
Après, ce qui est embêtant justement avec Georges le Fou, c'est tous les petits boss qui. Alors la musique, par contre, plus on s'avance et plus elle est forte. Ça, c'est moyen. Attends, on va le faire. Je sais pas si on peut le contourner lui. Ah si. Voilà, on peut. On va prendre ça. Là ici, il y a un truc à prendre. Je crois que j'ai fait quasiment le tour. Bah, il nous reste, bah, on le sait tous. Enfin, j'espère que tous vous étiez avancés sur la première saison. Attends, mais j'ai oublié un truc là. Oui, j'ai oublié un truc. J'espère que vous étiez tous avancés sur la première saison. Est-ce que mon arme... C'est quoi? On va pas se prendre la tête. Hein. On va pas se prendre la tête. Basson. Et boum. Vite fait, bien fait. Bon, alors, je le fais pas à l'économie, hein, bien sûr. Hein. Ça, vous le voyez. Vous le voyez, je le fais pas. Ah non, non, ça, je m'en fous un peu. Je le fais pas à l'économie. Donc là, je pense qu'on a fait quasiment tout le tour. J'ai dû looter à peu près tout ce dont j'avais besoin. Je mange un peu, tiens. Voilà, de petits viandes séchées, ça fait du bien. Je crois que j'ai looté à peu près tout. On va aller voir. Je vais faire un petit tour. Mais je pense sincèrement que j'ai fait le tour. Bon, pour ceux qui veulent, il y a un petit peu de chêne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben là, je crois qu'on est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais, hop, tatatata, je vais aller par là, William. Alors, William. William. Alors, il nous demande plein de trucs. Alors, bon, on va lui donner plein de trucs. Hein. On va lui donner ça. On va lui donner ça. On va lui donner ça, on va lui donner ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à lui donner? Ah oui, ça. Alors effectivement, ça ne suffit pas. On est loin. C'est loin que ce soit suffisant, mais écoutez, c'est déjà pas mal. J'espère que. Alors attendez, est-ce que j'ai passé un niveau? Non, j'ai même pas passé un niveau. C'est une dinguerie. Donc il va falloir que j'amène. Alors ça c'est plus chiant. Tous ces matériaux, des barres d'alu, des planches de chêne, des planches communes, bon, etc. pour faire progresser la foire et accéder le plus vite possible au niveau 2. Voilà donc ce qu'on va faire. Si vous avez la possibilité aussi, si vous avez quelques rations, bah, d'utiliser des rations sur le lieu de la foire, ce qui va vous permettre d'avoir des items entre guillemets gratos, enfin, plus ou moins payantes puisque vous avez utilisé des rations. Mais au moins, si vous manque quelques items, ben, vous pourrez les obtenir comme ça. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. De toute façon, j'ai gavé de vidéos à vous faire dans les jours qui viennent sur les mises à jour, sur plein plein de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens très très vite vers vous parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.